Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre en ce vendredi 17 juin pour notre 9e séminaire Nouvelle Proximité. Ce séminaire qui est organisé en collaboration avec trois partenaires, la chaire Entrepreneuriat, Territoire et Innovation de l'IAE Paris 1 Panthéon-Sorbonne, mais également nos amis de l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse. On a Luc Buzinski qui fera peut-être une apparition. Il est en déplacement entre Nantes et Toulouse aujourd'hui, mais il nous a aidé à monter ce séminaire. Également Vincent Kaufmann, qui va nous rejoindre prochainement. Matteo Colleoni de l'Université Bicocca de Milan est excusé. Et également de notre côté, donc cher Entrepreneuriat, Territoire et Innovation, je suis avec Didier Chabot et nos collègues Florent Pralon et Carlos sont excusés. C'est notre 9e date. On arrive à la fin de ce premier cycle de cette année 2021-2022 avec André Thor que Didier va présenter. On aura donc parcouru pas mal de jalons et de concepts très intéressants autour de ce thème central qui nous intéresse, qui est la proximité, ou plutôt les proximités, puisqu'on s'est intéressé aux proximités géographiques, mais également aux proximités émotionnelles, culturelles, artistiques, techniques, et qu'aujourd'hui, on va ouvrir un nouveau volet de ce thème. Donc voilà, je vais laisser la parole à Didier pour présenter notre invité aujourd'hui, André Thor. Merci beaucoup Catherine et vraiment au nom de toute l'équipe André, ah ben, je vois que Vincent est arrivé, donc au nom de toute l'équipe on est vraiment très heureux, très honoré de te recevoir dans cette 9e séance du séminaire et donc 10e intervenant en tant que tel dans le séminaire des nouvelles proximités. On est vraiment très heureux parce que à plus d'un titre, d'abord parce que je trouve que sur cette question des proximités, tu fais partie des gens qui ont œuvré depuis de très longues années. Alors, si on doit remettre en perspective, donc tu es directeur de recherche à l'INRAE, tu as dirigé des équipes, rédacteur en chef de revue, président de la European Research Regional Science Association, désolé. Tu as également œuvré beaucoup à l'association des sciences régionales de langue française, dont tu as été également président. Donc, tu as vraiment œuvré depuis des années dans tout ce qui concerne cette réflexion sur la prise en compte des proximités, de leur impact sur les activités économiques. Et moi, j'avais notamment beaucoup aimé le fait que tu as insisté sur la proximité géographique, mais aussi sur l'idée de proximité organisée, en montrant tous les effets que cela peut avoir et comment justement on doit penser les proximités de manière multiple pour vraiment arriver à en saisir toutes les conséquences. Et depuis plusieurs années aussi, tu travailles beaucoup sur toutes les questions finalement de coordination de territoire, de dynamique territoriale, de développement durable également. Et je trouve que là aussi, finalement, tu es sorti un peu de ta... Alors, tu n'as jamais été un économiste orthodoxe, ça c'est une certitude, mais tu es allé au-delà de l'économie et tu fais partie en plus des personnes qui rapprochent l'économie des autres sciences, de la sociologie, les gestionnaires sont très heureux de dialoguer avec toi également. Et donc, pour le coup, ça faisait vraiment sens quand on a monté ce programme de séance avec toute l'équipe d'essayer de t'inviter pour vraiment nous présenter quelque chose. Du coup, on a vraiment hâte parce que j'ai vu qu'il y a quelque temps, il y avait eu un papier sur Covid et proximité qui était sorti. Et du coup, tu vas nous proposer effectivement de décrypter cette question aujourd'hui. Et je ne doute pas qu'on va avoir des beaux échanges. Donc, sans plus attendre, je te propose de revenir du coup et d'entrer sur le thème des proximités à l'épreuve de la pandémie. Qu'est-ce qu'on en a appris? Qu'est-ce qu'on en tire? Qu'est-ce que toi, tu vois comme élément important pour susciter la réflexion et les débats? Merci à toi, André. Bien, merci beaucoup. Merci, Denis. Puis également, merci à tout le monde et de m'avoir invité à ce séminaire sur les proximités. Alors, effectivement, comme... tu l'as signalé, c'est un thème qui m'est cher, hein, puisque je regardais tout à l'heure, j'ai écrit mon premier article en 1992 sur les proximités, donc c'est exactement 30 ans. Et puis, depuis, j'en ai commis quelques-uns et quelques ouvrages aussi. Et donc, c'est une thématique sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Mais je dois dire que pendant ces 30 années, il y a eu beaucoup d'évolutions et beaucoup de choses ont changé. Et que les proximités, finalement, elles se sont très largement modifiées
dans toute leur nature, et également elles ont également impacté la société, mais de différentes manières. C'est pour ça que quand Luc Wadinski m'a proposé d'intervenir, je me suis dit que j'allais intervenir sur la question du lien entre proximité et pandémie pour essayer de regarder comment on se situe aujourd'hui. La pandémie étant pris un peu comme le choc pour voir quelle nouvelle proximité on est confronté. Donc là, c'est l'idée de ma présentation que je vais charger. Voilà, je pense que vous voyez mon écran là, non? D'accord. Donc en fait, les proximités à l'épreuve de la pandémie, ça c'est le nom, le titre que j'avais donné. Et il est. En fait, l'idée de ce séminaire, l'idée de cette intervention, c'est de relier ces deux dimensions, proximité et Covid-19, en se disant que cette pandémie a énormément affecté nos sociétés et nos économies. Je suis un économiste, certes pas standard, mais quand même, et souvent à la frontière de l'économie, hein, mais quand même qui réfléchit sans doute avec des réflexes économiques. Et du coup, ça a été un choc soudain qui a eu des conséquences énormes, in fine, et aussi un choc global, un choc exogène. Et évidemment, ce choc, on a vu qu'il a impacté de nombreux pays, et tout spécialement les pays les plus industrialisés, je dirais. Hein. Et finalement, je vais y revenir, la diffusion du Covid, ses conséquences, ses processus sont apparus fortement déséquilibrés, y compris entre les pays européens, et ça a généré, ou ça a révélé peut-être, des inégalités sociales, des inégalités spatiales, ça a bouleversé nos habitudes, et tout compte fait, eh bien, les aspects régionaux, spatiaux, territoriaux de cette pandémie, ils sont extrêmement importants et on peut les adresser, je dirais. Et ça, c'est une des questions que je me pose. Donc, ma réflexion, elle porte sur la question suivante. Quel a été et quel est toujours peut-être l'impact du Covid sur les proximités? Est-ce que c'est un impact durable? Est-ce qu'on, finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est rentré avec de nouvelles caractéristiques des proximités, ou même que finalement ça a révélé des évolutions en cours. Et je partirai de l'idée et j'essaierai de démontrer que le Covid-19 a changé les proximités. Elles sont devenues davantage dangereuses en un sens, et aussi elles sont devenues davantage distantes, mais elles jouent un rôle sans doute de plus en plus important. Donc le plan de présentation sera très simple. Hein. D'abord, je vais donner ma grammaire des relations de proximité, c'est-à-dire nous, comment dans le groupe dynamique de proximité, on comprend les proximités, et proximité géographique et proximité organisée. Deuxièmement, j'essaierai de regarder les impacts régionaux et territoriaux du Covid par rapport à ces types de proximité. Et troisièmement, j'essaierai de regarder comment ces proximités, finalement, ont été mises à l'épreuve et comment elles sont en partie renversées, comment on peut essayer de prendre un petit peu de recul avant ça. Et je terminerai là-dessus. Avant d'aborder ces trois points, je voudrais dire sur quoi je me base quelque part pour élaborer cette présentation. Et je me base essentiellement sur deux nourritures pour l'esprit, comme je l'ai dit. Hein. La première, c'est le Handbook of Proximity Relations, que je viens d'éditer chez Édouard Elgar avec Delphine Gallo, et qui est la somme des travaux qui ont été faits, en tout cas dans mes domaines, je dirais, autour des questions de proximité, et dans lequel on trouve une quarantaine d'auteurs qui ont écrit sur leur spécialité, qui ont fait donc des surveys sur cette question. Donc ce handbook, il se présente de la manière suivante. Première partie, c'est une partie qui est consacrée aux principaux débats sur la proximité et sur la construction d'une position analytique dans la science régionale, hein, qui est mon domaine, science régionale, donc qui mêle des économistes, des géographes, des sociologues, des gestionnaires, des politologues, et
comment est apparue finalement et s'est construite cette doctrine de la proximité. Vous voyez ici un certain nombre d'articles par des spécialistes. Vous reconnaissez Michel Grossetti, hein, qui est intervenu comme le premier intervenant dans le séminaire. La deuxième partie, elle est consacrée aux méthodes et aux outils analytiques, c'est-à-dire qu'avec dans ces dernières années, se sont développés à partir du mûrissement de la pensée sur les questions de proximité et de leur insertion, je dirais, dans le cœur analytique des approches économiques, géographiques, de sciences régionales, eh bien, sont développées des analyses et des méthodes, et pas mal de méthodes quantitatives en particulier pour les étudier. Troisième partie de cet ouvrage, il porte sur les questions d'innovation et de connaissance, parce que finalement, en particulier dans les années 90, les années 2000, première partie des années 2000, énormément de travaux sur la proximité ont été reliés aux questions d'innovation, et en particulier d'innovation technologique, de diffusion des connaissances, etc. C'est là qu'ont été faits, quelque part, les plus gros apports de l'analyse, et c'est là qu'on trouve le plus grand volume de travaux à l'heure actuelle. Si vous regardez sur Google Scholar, par exemple, vous voyez, quand vous tapez proximité, il y a plus de 2 millions de citations à l'heure actuelle sur cette question-là, ce qui amène comme un mot-clé très important, y compris dans les pays anglo-saxons, où ce terme n'était pas très, très courant jusqu'à il y a une quinzaine d'années, je dirais. Et en fait, la dernière partie du handbook, elle est constituée par des articles qui lancent des pistes de recherche pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de domaines qui sont à l'heure actuelle abordés par ces questions de proximité, et donc comme la ville, les infrastructures de développement, l'écologie, etc. Et tous ces éléments, bien, ils apparaissent dans ce dernier point. Donc ça, c'est mon premier, la première, je dirais, source sur laquelle je fonde mon expertise. Et la deuxième, elle est tout à fait différente. C'est une aventure qu'on a appelée Corté. Ça, vous reconnaissez mes origines là. Et c'était une consultation que l'on a lancée sur le net en 2019 avec un certain nombre d'amis et en particulier avec Luc Wiazinski. Et cette aventure, Corté, c'était une consultation francophone sur les impacts sociaux et spatiaux du Covid-19. L'idée, c'est de se dire, en tant que science sociale, qu'est-ce qu'on peut faire? On était au moment de sidération, quand en France, on était dans le grand confinement. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cette question du Covid? Nous, comment, en tant qu'intellectuels, comment on peut se positionner sans rester à la maison, sans rien faire? Et finalement, on avait fait un petit manifeste hein, qui est aussi paru dans Mediapart avec Luc. Et l'idée, c'était de se dire, on veut suivre, documenter, anticiper ces changements. On veut, en tant que science sociale, réfléchir à ça, réfléchir aux impacts territoriaux et éventuellement réfléchir à porter des solutions. Donc, sur ce site, on a publié un grand nombre d'articles qui étaient des contributions. Et aussi, on a lancé trois études. Quand je dis trois études, trois enquêtes qui ont été faites sur un volume très, très important. Ces trois enquêtes qui ont été menées pendant et après le grand confinement et qui ont donné lieu à des réponses, à toute une série de travaux. En particulier, je cite ici les travaux de Lise Bourdeau-Lepage sur le bien-être et le Covid qui ont connu un grand retentissement à la suite de son enquête. Voilà, ça, c'était les éléments sur lesquels, finalement, je fonde mon expertise, puisque évidemment avec ce site Corté, on était très bien placé pour recueillir toute une série d'informations par rapport au Covid et à ses différents impacts. Et dans cette situation un peu privilégiée, je dirais, ça a permis d'alimenter, en tout cas pour moi, une réflexion qui m'a permis de faire un certain nombre de travaux là-dessus. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors maintenant, sans plus tarder, je démarre sur la première partie de mon intervention, c'est-à-dire qu'est-ce que j'entends par proximité ou qu'est-ce qu'on entend, nous, dans les gens qui travaillent sur les dynamiques de proximité, comme on s'appelle, le groupe dynamique de proximité, où on a publié très nombreux articles, ouvrages, numéros spéciaux de revues ensemble, je ne vais pas y revenir. Et finalement, je voudrais parler de la distinction que l'on fait entre deux
notion de proximité. Ça fait très longtemps. Maintenant, elle est devenue assez standard, je dirais, et je vais juste y revenir dessus. Donc, quand on entend proximité, et souvent, on entend, et vous en avez parlé tout à l'heure, on entend deux choses. D'un côté, on entend quelque chose de très géographique ou très spatial. Est-ce que c'est quelque chose, une personne qui est à côté de moi ou qui est loin de moi? Et puis, on entend quelque chose d'autre qui est relativement différent et qui est finalement plus de l'ordre du relationnel. Je vais y revenir. Donc, quand on prend cette proximité géographique, on s'aperçoit que cette proximité géographique, elle a deux dimensions. Une dimension permanente, qui est finalement de la localisation, c'est-à-dire je me trouve à côté d'un immeuble, je me trouve à côté d'une centrale nucléaire, je me trouve à côté d'un site remarquable, je me trouve à côté de personnes qui sont mes voisins. Ça, c'est de manière permanente. Et puis également, il y a une proximité géographique qui est plus temporaire et qui est due au développement des technologies d'information et de communication en particulier, et qui fait que je peux temporairement me rapprocher d'un lieu ou de personnes, et puis après repartir. Et cette proximité géographique, eh bien, elle peut être recherchée ou elle peut être subie. Elle peut être recherchée, c'est-à-dire je peux essayer, je peux avoir envie d'aller me rapprocher de quelqu'un que j'aime et qui habite loin de chez moi, donc je vais me déplacer. Je peux aussi aller en vacances dans un lieu qui est particulièrement que j'aime ou dans un endroit touristique. Ça, c'est la proximité géographique recherchée. Et puis, elle peut être également subie, c'est-à-dire je me trouve à côté d'une voie rapide qui est polluante, je me trouve à côté par exemple d'un aéroport qui fait du bruit, d'une centrale nucléaire, je subis cette problématique de la proximité géographique comme je peux subir le bruit qui est fait par mes voisins, par exemple. En ce qui concerne la proximité temporaire, elle a les mêmes problématiques, mais je vais y revenir dans un petit instant. Quand on parle de proximité, je le disais à l'instant, souvent on entend la proximité géographique, c'était vraiment l'idée la plus standard. Depuis quelques années, s'est imposée l'idée qu'il y avait d'autres types de proximité, différentes natures. Effectivement, quand on dit « je me sens proche de quelqu'un », ce sont mes proches, ça ne veut pas spécialement dire qu'ils sont dans la même pièce ou dans la même ville, mais ça signifie qu'on partage quelque chose avec eux. Et nous, nous disons qu'il y a dans cette proximité organisée, donc qui est fondée sur des relations économiques et sociales, disons qu'il y a deux logiques. Une logique d'appartenance, c'est-à-dire on appartient à un ensemble, à un graphe, à un réseau de personnes. Et puis, il y a une logique de similitude, c'est-à-dire on se sent proche de personnes. Peut-être qu'on n'est pas dans le même réseau, peut-être qu'on n'appartient pas à la même équipe, mais on a des connaissances, on a des ressemblances culturelles, cognitives, qui sont très, très importantes et qui nous donnent une proximité. Donc voilà un petit peu les bases sur lesquelles je voudrais parler. Alors je vais commencer par la proximité géographique. J'ai dit qu'elle pouvait être permanente, recherchée ou subie. Cette proximité géographique, c'est quoi? Ben, elle est, en un sens, elle est binaire. On peut être loin de quelqu'un, loin d'un lieu, près de quelqu'un. Mais c'est pas seulement une proximité en termes de kilomètres ou à vol d'oiseau. Elle est relative. Elle est relative à la morphologie. C'est pas la même chose entre deux endroits rapprochés si c'est plat ou s'il y a une montagne qui les sépare. Elle est relative aux infrastructures de transport. Est-ce qu'il y a une route? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une autoroute? Et elle est relative au coût, évidemment. Moi, ça me prend très peu de temps de Paris pour aller jusqu'à Lille, mais c'est très, très coûteux. Par contre, quand je vais en grande banlieue parisienne, ça me prend beaucoup plus longtemps, en particulier quand je vais à Saclay, par exemple. Mais par contre, ça n'a quasiment aucun coût pour moi. Donc, on voit que cette proximité, elle est relative. Elle est aussi liée à des représentations sociales, à des contraintes financières. Donc, c'est un construit social. Évidemment, c'est un potentiel. C'est un potentiel qui peut être activé ou non. Hein, c'est toujours l'histoire, qui sont mes plus proches voisins? Ben, mon plus proche voisin, c'est la personne qui habite au-dessus de moi dans mon immeuble. Donc, on habite en permanence à 2 mètres de distance, mais on se rencontre 3 fois par an dans l'ascenseur et je ne sais même pas quel métier où elle fait. Donc, encore faut-il l'activer, cette proximité géographique.
Et c'est pareil pour les entreprises, par exemple, qui sont à l'intérieur d'un cluster ou d'une technopole. Elles peuvent être côte à côte. Encore faut-il qu'elles échangent. La proximité géographique n'est pas un mantra magique qui permet de résoudre tous les problèmes. Alors, je disais que cette proximité géographique, elle pouvait être recherchée. Donc, on va rechercher la proximité d'autres acteurs économiques, de ressources naturelles, du lieu de loisirs, d'amis, et on peut satisfaire ça, soit parce qu'on est localisé dans un lieu, soit alors parce qu'on va se déplacer pour rechercher cette proximité. Ça a été très, très souvent étudié, cette proximité géographique recherchée, dans deux domaines qui sont celui des clusters industriels. Je disais tout à l'heure que beaucoup de recherches sur la proximité ont porté sur l'innovation. Il y a énormément de travaux qui portent sur la proximité géographique dans des clusters d'entreprises. Et il y a également pas mal, mais moins, de travaux qui analysent la formation des villes ou les relations à l'intérieur d'une ville par le fait qu'il y a cette proximité géographique, donc une clôture géographique sur un lieu particulier. Mais cette proximité géographique, je l'ai dit également, est peut-être aussi subie. Qu'est-ce que c'est qu'une proximité subie? Ben, c'est quand on est localisé par rapport à des personnes qui nous dérangent, par rapport à des lieux qui nous portent des nuisances, sans qu'on soit en mesure de changer de localisation. Et ça, c'est un cas qui arrive très souvent, c'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une infrastructure de déchets à côté d'un lotissement, par exemple, ou d'une barre d'immeuble, il devient très difficile, même s'il y a ces externalités négatives, comme on dit nous les économistes, hein, même s'il y a ces nuisances, il est très difficile de s'en abstraire parce que souvent le prix du foncier, le prix de l'immobilier baisse de telle manière qu'on se trouve attrapé là et on ne peut plus en partir. Donc, ça génère des conflits. Et ça génère toute une série de problèmes dont je parlerai tout à l'heure sur les problèmes de distance ou de distanciation sociale de COVID-19 qu'on va retrouver cette proximité géographique subie. Je dois dire également qu'elle se marque quand il y a des entreprises qui s'imitent ou qui se copient les unes les autres, où on retrouve cette problématique également. Je parlais tout à l'heure dans la proximité géographique de la proximité géographique temporaire. Elle existait sans doute très peu à l'époque de Madame de Sévigné, qui échangeait beaucoup de lettres, mais qui se déplaçait pas mal, mais quand même, le déplacement prenait un temps extrêmement important. Aujourd'hui, avec la diminution des coûts de transport et la multiplication des moyens de communication, elle s'est énormément développée, cette proximité temporaire. Et finalement, cette proximité temporaire, elle correspond à la possibilité de se déplacer pour rencontrer des acteurs, en particulier pour faire du face-à-face, par exemple tout ce qui est les ingénieurs dans les entreprises qui vont se rencontrer, les chercheurs comme moi qui vont rencontrer des colloques, des collègues dans des colloques ou pour les rencontrer dans d'autres endroits, également ce qui est tout ce qui se passe dans les foires, dans les congrès, dans les meetings des diasporas par exemple ou des personnes éloignées se retrouvent pendant un moment. Elle bénéficie de cette proximité géographique temporaire, puis elle se sépare ensuite. Et finalement, ça correspond évidemment à des possibilités de travail à distance, de voyage, voire de télétravail pendant les moments où on est à distance et après on se retrouve à d'autres moments dans le travail. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié, en particulier dans les projets menés par les consortiums ou alors par des consortiums de recherche aussi, dans lequel on travaille généralement à distance, mais on se retrouve une, deux ou trois fois par an pour finalement ajuster les relations de coopération, de confiance, les cartes mentales, pour résoudre les conflits, etc. Donc, il y a toute une série de vertus de ce côté-là. Donc, voilà avec la proximité géographique. Je dirais la plus, quelque part, la plus banale, la plus connue, même si maintenant on a une proximité géographique temporaire qui n'était pas initialement comprise dans les analyses des proximités. Après, il y a une deuxième catégorie, si on veut vraiment simplifier les choses, qui est les proximités qui sont non spatiales, non géographiques. Je ne dis pas qu'elles n'ont aucune relation avec la géographie ou l'espace, bien sûr, ce n'est pas ça, mais elles sont essentiellement
d'une autre nature. Et cette nature, c'est une nature qui est fondée sur les relations économiques et sociales qui lient les acteurs. Et cette proximité organisée, nous disons qu'il y a deux grandes logiques qui la commandent. D'abord, la logique d'appartenance. La logique d'appartenance, elle fait référence au fait que deux ou plusieurs personnes ou plusieurs acteurs appartiennent au même réseau de relations, au même graphe. Je vais le dire vraiment très très vite. Et du coup, vous voyez que il s'agit des réseaux d'innovation. Ces réseaux d'innovation, ils peuvent être tout à fait des réseaux locaux, oui, mais ça peut être aussi, pardon, des réseaux transnationaux, hein, comme les réseaux bancaires, les réseaux des grandes villes, des réseaux de personnes qui appartiennent, j'ai dit tout à l'heure, à des groupes ou des réseaux de développeurs informatiques, ça a été beaucoup étudié, les communautés de pratique qui se diffusent sur l'ensemble de la planète. Alors voici cette logique d'appartenance. Il y a une deuxième logique, c'est la logique de similitude. Je précise qu'elles ne sont pas disjointes, hein, il peut y avoir les deux à la fois. Et cette logique de similitude, c'est une adhésion à des catégories communes, soit des dimensions cognitives, soit des dimensions culturelles ou religieuses ou d'origine, par exemple. Un très bon exemple, je trouve, c'est celui des diasporas, dans lesquelles des personnes d'une même diaspora continuent à appartenir à la même communauté, alors qu'elles ont des localisations très, très diverses sur la planète, mais elles adhèrent à une culture, à des origines, à des valeurs commune, au moins pendant un certain temps, bien sûr. Évidemment, ça peut exister tout à fait au niveau local. Et les communautés locales, en particulier comme on les entend en Amérique latine, eh bien, elles sont fondées également sur ces valeurs communes, tout en restant au niveau local et finalement en se combinant avec la proximité géographique. Donc, voilà un petit peu mes clés de lecture, hein, des proximités. Donc, vous voyez, hein, proximité géographique, proximité organisée, et vous avez bien compris que ce qui est important, c'est de les combiner. C'est de combiner proximité géographique et les proximités organisées. C'est-à-dire aller voir votre voisin et faire sa connaissance, avoir des entreprises qui appartiennent au même cluster ou au même technopole et travailler ensemble, etc. Hein. C'est toute cette mise en relation des deux type de proximité qui est particulièrement intéressante et qui a donné lieu à de très nombreux travaux auxquels j'ai moi-même participé. Alors, maintenant, voyons un petit peu et penchons-nous sur la question du Covid. Le Covid, ou la Covid comme on dit parfois, le Covid a eu des impacts régionaux et des impacts territoriaux, je dirais, ou spatiaux, qui ont été très importants, mais qui ont été également très variables. Et on s'est très vite aperçu que c'était un virus, peut-être comme tous les virus, hein, qui avait des dimensions spatiales avérées. Une des premières caractéristiques qui nous a le plus choqué, sans doute, hein, au niveau français, au niveau européen, ça a été la réapparition des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen. Et ça, cette résurgence des contrôles aux frontières entre les États membres de l'Union européenne, eh bien, elle a été particulièrement flagrante, c'est-à-dire on a fait finalement le pari où on a mis en place l'idée que les barrières qui devaient se mettre se mettaient entre les États. Donc, on a une résurgence très forte de la dimension d'État et puis cette dimension de se dire finalement l'entre-soi, c'est la nation. Quelque chose comme ça. On aurait pu faire des choix différents, hein, mais voilà cette dimension. Donc, très, très forte au niveau spatial. Une autre dimension très forte de la pandémie du Covid-19, ça a été c'est le fait qu'il y a un impact différencié très important. Et cet impact différencié du Covid, il continue à perdurer de nos jours. Alors, en dépit des statistiques qui sont toujours plus ou moins fiables, hein, mais il continue à perdurer de nos jours entre les pays. Il y a des impacts très, très différents entre les pays et sur lesquels il faut s'interroger.
et qu'on n'arrive pas toujours à parfaitement renseigner. Et également, c'est un impact qui s'est avéré très différent selon les régions françaises, qui s'avère toujours, mais en particulier qui s'est avéré extrêmement différent au cours de la première vague du Covid, au cours du premier confinement, où il y avait des régions qui étaient à peu près totalement épargnées, ou des départements à peu près totalement épargnés, et d'autres qui étaient terriblement impactés, où la diffusion se faisait dans ce domaine-là. Donc, un virus qui est très, très spatialisé, ma foi. Troisième élément qui est lié à ces caractéristiques spatiales, eh bien, c'est que, surtout au début, mais je ne peux pas totalement me prononcer là-dessus, surtout au début, c'était une maladie qui a été très urbaine. Et c'est-à-dire que ce sont surtout les métropoles et les grandes villes qui ont davantage souffert de la pandémie que les zones rurales ou périphériques. Et cet impact très fort, il a été dû au fait que la diffusion du Covid s'est faite par des routes internationales. Et donc, ce lien entre les grandes villes, entre les métropoles, les a mises en danger les premières de la diffusion du virus. Et donc, on voit des impacts dans les grandes villes qui sont plus importants que dans les zones rurales. Et ça, c'est une permanence, mais ce n'est sans doute pas la seule raison, et je vais y revenir. Si on regarde, par exemple, les villes, voilà les décès en excès durant la première vague du Covid en 2020. Bien, on s'aperçoit qu'avec des profils un peu différents, la plupart des grandes villes du monde, eh bien, ont été très fortement impactées. Et là, c'est l'excès de décès qui est un des meilleurs indicateurs de l'impact du Covid. On voit que cet excès, il a affecté de manière très forte la plupart des grandes villes du monde. Ce n'est pas le cas du tout de la plupart des zones rurales. Toujours par rapport à ça, c'est la question de la fameuse migration ou du fameux exode. C'est comme ça que j'aurais dû le mettre. L'exode urbain. Vous savez que c'est une question qui s'est posée. Alors, au cours de la première pandémie, on a vu de manière massive une partie des urbains, je dirais les riches, s'échapper des grandes villes, en particulier chez nous de Paris, et se réfugier à la campagne, dans leur résidence secondaire ou dans des résidences qui avaient été louées à l'occasion. Et donc, on a assisté à un exode urbain qui s'est arrêté à la fin de la première, du premier confinement. On a beaucoup dit. Ensuite, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été faites auprès des habitants des zones urbaines en leur disant bah alors, est-ce que ça veut dire que maintenant vous voulez partir de la ville? Et on a vu des réponses massives: oui, je veux m'en aller de la ville, je veux partir de cet endroit infernal pour aller à la campagne. Si bien qu'on a parlé d'exode urbain, on a inventé ce terme. Mais finalement, si on regarde aujourd'hui, récemment, il y a eu des travaux qui ont été faits par l'INSEE, qui ont été repris également par Olivier Boubalga, hein. Et ces travaux montrent que cet exode urbain, il est peu durable, hein. Il est très peu marqué, ou il n'est pas plus qu'avant. Oui, évidemment, il y a un appétit pour l'idée de quitter la ville, mais en réalité, il se traduit, il existait déjà avant le Covid d'ailleurs, mais il se traduit très peu dans les faits. Il se traduit très peu dans les faits. Par contre, les gens ne sont donc pas réellement dans le rural, hein, c'est pas ça. Mais par contre, il y a un appétit renouvelé pour les zones périurbaines et pour les villes moyennes. Alors, pour les villes moyennes, ça faisait déjà un certain nombre d'années, en particulier en France, qu'il y avait un nouvel appétit pour ces villes. C'est-à-dire qu'après une phase de grande concentration, eh bien, on voit apparaître des villes moyennes qui ménagent un certain nombre de services et d'accès à la nature, d'accès à des aménités de différents types, un foncier moins élevé, un immobilier moins cher, et donc des possibilités de se trouver dans des lieux plus sûrs, de liberté, comme des villes moyennes, avec également des possibilités de commutage plus importantes à partir du moment où s'impose, j'y reviendrai, le télétravail,
pendant un certain nombre de jours par semaine. Donc, il devient admissible d'aller travailler, par exemple, 3 jours en faisant des déplacements plus importants. C'est également le cas du périurbain, un périurbain qui a été très critiqué pendant de nombreuses années, en particulier par les aménageurs. Finalement, ce périurbain, il apparaît à nouveau comme quelque chose de désirable à partir du moment où il se rapproche de la campagne. Il offre des surfaces plus importantes, voire un jardin, et des possibilités de commutage, certes long également, par rapport à un travail dans les centres-villes, mais qui est quand même quelque chose qui est admissible si ça se limite à 3 jours par semaine. Le Covid, évidemment, il a toujours un impact massif sur les activités de transport et sur les activités touristiques. Donc, le premier impact, c'était les entreprises de transport ou les constructeurs aériens. Donc, il y a eu vraiment des pertes considérables. Par exemple, chez Airbus, Boeing, on ne sait pas encore si Boeing va se remettre de cette histoire-là. Il était déjà en difficulté. C'est également vrai pour les bateaux de croisière. Évidemment, cet impact, il s'est manifesté également pour les pays ou pour les régions dont une part importante de l'activité est consacrée au tourisme, c'est-à-dire en particulier chez nous en Europe élargie, je dirais, les régions du sud de l'Europe, le sud de la Méditerranée avec les pays maghrébins, en particulier la Tunisie, qui continue à subir un impact extrêmement fort. C'était le cas en Grèce, d'une moindre mesure. C'est le cas de pays plus éloignés comme la Thaïlande ou autres, ou même de zones comme Paris qui ont souffert d'un déficit de tourisme absolument énorme suite au coronavirus. Et tout n'est pas rentré en règle aujourd'hui. Évidemment, ça a généré une diminution des activités de transport et des activités touristiques. Le volume de transport s'est extrêmement réduit. Alors, des biens, mais surtout des personnes, une diminution extraordinaire du volume, en particulier du transport aérien, qui est loin d'être revenu au volume qu'il avait auparavant. Et si vous regardez aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup moins de vols, y compris en France, mais également il y a une augmentation des prix extrêmement importante sur les vols longue distance. Et on évalue, d'après le rapport de la CNUSED de fin 2021, à un coût d'environ 4 000 milliards de dollars sur l'ensemble du produit intérieur brut global de la planète, ce qui est particulièrement colossal. Et donc, voilà un des impacts. Un autre impact qu'on a tous vécu, ça a été le retour et le développement des produits locaux. Vous vous souvenez toutes et tous que pendant le Covid, d'avoir vu ou d'avoir participé à de grandes files devant les magasins bio pour se tourner vers des produits d'origine locale, donc avec une question d'agriculture de proximité, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, et également la question de l'agriculture urbaine. Est-il possible finalement de produire l'agriculture dans la ville ou juste à côté de la ville? Et puis également une question qui se pose d'accès, de prix. Est-ce que c'est quelque chose qui est seulement pour les plus riches? Parce que également, on demande que ce soit des produits locaux, des produits bio, des circuits courts, très peu d'intermédiaires, etc. Et donc, se poser cette question-là. Il faut redire que cette question, cette augmentation de la consommation des produits locaux, elle a été durable en 2020 et 2021, mais elle a subi un choc depuis quelques mois avec les problématiques de pouvoir d'achat et le retour de l'inflation. Et à l'heure actuelle, il y a une certaine désaffection pour ces produits, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a eu un pic et pour l'instant, ça retombe. Il n'empêche que ça a posé une problématique beaucoup, beaucoup plus importante qui est maintenant à l'agenda des politiques,
aussi bien au niveau national que dans les municipalités, dans les collectivités territoriales, comment nourrir les villes et la question de la souveraineté alimentaire. Cette question, elle apparaît de plus en plus et il y a de plus en plus, en particulier dans les contrats pour les cantines scolaires ou autres, la volonté de fonder l'alimentation sur des produits locaux ou pas très éloignés, je dirais, en proximité de la ville, unité géographique de la ville, et avec lesquels il y a une contractualisation qui se fait entre les villes et leur hinterland pour se poser cette problématique de la souveraineté alimentaire. Comme je le disais à l'instant, voilà, c'est un effet qui a été durable, mais qui s'effondre maintenant face aux problématiques de pouvoir d'achat. Alors, ce qu'on constate, c'est que ce virus, il a engendré, ou plutôt il a mis à nu, je dirais, des inégalités spatiales, des inégalités au niveau national, régional, territorial, et elles ont des causes variées. Hein. Il y a des particularités géographiques. Hein. On a des groupes de nations ou de régions avec un fort niveau d'échange, donc qui se sont retrouvés impactés, et puis d'autres qui se trouvent impactés seulement aujourd'hui, comme la Corée du Nord, par exemple, qui a résisté pendant 2 ou 3 ans au virus et qui aujourd'hui a fini par le voir pénétrer chez elle. Des connexions fortes entre les zones infectées, je l'ai déjà dit, hein, les villes, en particulier de Wuhan vers d'autres villes globalisées, des mesures très fortes d'isolement, de fermeture des frontières ou des confinements forts et autoritaires, hein, comme on a vu en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, même à l'heure actuelle à Shanghai, par exemple, et qui font que on a à ce moment-là des inégalités très très fortes. Ça peut être une organisation autoritaire de la traçabilité, comme on l'a vu à Singapour, je reviendrai tout à l'heure, hein, dans lesquels on a obligé les gens à avoir une traçabilité, sinon est-ce que le refus équivaut à une mise en prison. Des capacités organisationnelles plus ou moins importantes des États, c'est-à-dire selon les États, ben, on a pu avoir faire face plus ou moins bien au Covid. On se rappelle par exemple ce qui s'est passé dans des pays comme l'Équateur, par exemple, où l'arrivée du Covid a submergé les organisations locales et où ça a été un désastre, en particulier sur dans les villes du bord de mer. Et puis des différences en termes de densité aussi. Hein. Une agglomération urbaine versus une zone moins densément peuplée, ce n'est pas du tout la même manière. Tout le monde se souvient, selon l'endroit où il est, d'avoir été dans une ville où on pouvait quasiment pas sortir de sa maison et où c'était impossible, ou d'avoir été dans une campagne où finalement tous les jours on pouvait aller se promener dans la nature, être dans son jardin. Et donc ça a amené des conditions très 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 différentes. Et je vais y revenir dans un instant. Premier type d'inégalité, ça a été des inégalités sociales et spatiales, je l'ai dit, entre les personnes qui vivent dans des zones favorisées ou défavorisées. Et évidemment, on s'est aperçu pendant le Covid, on savait déjà, mais que le Covid, il affectait évidemment davantage des personnes qui vivent dans des quartiers ou des zones défavorisées, avec des appartements suroccupés, un nombre de mètres carrés limité, des conditions sanitaires du coup difficiles à maintenir, une absence d'accès aux espaces naturels, alors que de l'autre côté, on peut avoir des gens qui peuvent habiter dans des habitations individuelles bien plus importantes, avec un accès aux espaces naturels ou des jardins privés, et qui ont vécu finalement le Covid de manière très, très différente. Cette inégalité, on l'a vu apparaître et tout le monde s'en est bien aperçu. Également, on constate des ségrégations socio-spatiales très différentes selon et qui perdurent aujourd'hui et qui ont même tendance peut-être à s'accentuer, j'y reviendrai, entre finalement l'école bleue et l'école blanche. D'un côté, ce qu'on appelait à un moment donné premiers de corvée, hein, qui doivent se déplacer, qui doivent commuter, qui doivent travailler tous les jours sur leur lieu de travail, il n'y a pas de possibilité d'arrêt, si ce n'est un confinement complet. Ils sont bien obligés de retourner à leur travail, même pendant la pandémie. Et puis d'autres qui sont finalement en possibilité d'être en télétravail, comme moi aujourd'hui, et qui sont chez eux et qui finalement peuvent, grâce à ça, éviter une bonne partie du danger de l'infection, même si leur appartement est petit. Hein. Donc, vous voyez qu'il y a des multiples inégalités qui se font jour. Et donc, ça, c'était les premiers éléments
que l'on peut pointer. Alors maintenant, dernière partie de ma présentation, comment les proximités sont mises à l'épreuve par, ou ont été mises à l'épreuve par ce fameux Covid. Vous le savez, les différentes catégories de proximité ont été concernées, et justement, on a parlé de ces proximités, on dit qu'elles sont retrouvées au cœur de ces processus. On en parlait également. Et moi, je voudrais également souligner que leur nature profonde a été en partie modifiée par la pandémie, et que finalement, on ne va pas revenir à la situation antérieure par rapport aux proximités, et qu'il y a un impact, et que cet impact, eh bien, finalement, il se traduit sur les différentes catégories de proximité dont j'ai eu l'occasion de vous parler tout à l'heure. Donc, premier point, on constate un renversement des proximités. Ce que j'appelle par renversement des proximités, c'est en particulier, il concerne en particulier la perception de la proximité géographique, et en particulier la perception de la proximité géographique dans les zones les plus urbanisées. En fait, pendant les vagues de Covid et peut-être après, le rôle s'est inversé. Par exemple, prenons les espaces urbains dans les villes. Les gens cherchent à habiter ou à vivre dans les villes parce qu'ils retirent un certain nombre d'avantages de la proximité géographique. Et ces avantages, ils sont de différentes natures, hein. En particulier, ils sont de deux natures. Un premier avantage, c'est que ils peuvent rencontrer, avoir des contacts avec un grand nombre d'autres personnes sur un espace réduit, dans des interactions sociales multiples. La deuxième dimension, c'est qu'ils trouvent du travail dans ces lieux-là, et donc un travail qui n'est pas très éloigné du lieu où ils habitent. Et le troisième, que j'allais oublier, c'est qu'ils trouvent un accès à toute une série de services qui se trouvent confrontés au niveau local. Donc, il y a des avantages énormes, je dirais, de la proximité géographique. Or, donc proximité géographique qui est essentiellement recherchée. Or, pendant les phases de Covid, et en particulier pendant les phases intenses de la pandémie, la proximité géographique devient dangereuse, la proximité géographique devient subie, et parce que le risque de diffusion du Covid est important, spécialement dans le cœur des villes, quand vous êtes dans des endroits très très habités, avec des transports en commun qui sont très fortement impactés, où il y a beaucoup de monde, comme un métro ou un RER par exemple. Eh bien, du coup, les personnes vont essayer d'éviter de multiplier les contacts, de voir trop d'amis, de voir trop de proches, de sortir trop dans la mesure du possible. Donc, on a un renversement de cette proximité géographique, en particulier pendant les phases de pandémie. À ce moment-là, elle devient quelque chose qui est évidemment beaucoup plus subi. Autre dimension, c'est… Excusez-moi. Autre dimension, c'est toujours dans ce côté de la proximité géographique, c'est le fait que les autorités ont imposé toute une série de mesures. Des masques, quand on en a eu, le confinement, la mise en place de distances physiques, et ces mesures qui ont été élaborées pour la plupart depuis la grande épidémie de grippe de 1918 ont été remises à l'ordre du jour, et ces mesures, qui finalement sont juste une manière plus moderne de prendre de la distance par rapport aux autres, quelque chose qui existait déjà dans les épidémies au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle. Ces mesures, leur objectif, c'est de réduire les effets négatifs de la proximité géographique. Et elles montrent en particulier leur efficacité en l'absence de vaccins. Et donc, il y a toute une série de travaux qui ont montré l'importance de ce type
de mesure et du fait que ici, eh bien, on avait cette caractéristique de la proximité et l'instauration d'une distance sociale. Alors, pourquoi est-ce que je parle de distance ou distanciation sociale? C'est un terme qui a été très discuté et très critiqué. On a dit, mais alors là, c'est pas possible. On parle de distance sociale, mais en fait, c'est de la distance physique qu'on veut dire, de la distance géographique, c'est qu'on veut s'éloigner des autres, c'est tout. Non, moi, je prétends, et pas seulement moi, que c'est vraiment de la distance. C'est pas par hasard que ça s'appelle la distance sociale. Parce que oui, c'est comme la proximité. Ça a une dimension géographique, ça a une dimension spatiale, d'éloignement, mais il y a également toute une dimension sociale qui s'impose ici, qui est liée au fait que on a l'instauration de règles sociales qui se mettent en place. L'instauration de règles sociales du style vous devez rester chez vous, ou vous devez sortir à telle heure, ou vous devez produire un certificat, ou vous devez produire une attestation de vaccination sur votre carnet, vous ne devez pas être plus que de temps dans un bus ou en transport en commun, etc. etc. Et c'est une instauration de règles sociales, ce sont elles qui imposent la distance ou la distanciation sociale. Donc, les autorités cherchent à mettre en place une distance sociale qui implique une distance physique, mais des règles sociales. Évidemment, ces règles, elles ont été très fortement contestées, vous le savez comme moi, par la société. Ça a pu être le refus du port des masques. Ça a été en particulier le mouvement des anti-vax, qui a pris une importance très, très forte dans de nombreux pays, chez nous, par exemple en France, mais en particulier aux États-Unis. Et finalement, ils ont conduit ces mouvements de résistance, ils ont conduit à des troubles importants, à des troubles sociaux très importants qui ont largement dépassé une dimension de distanciation ou de distance physique ou géographique. Alors évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on pourrait analyser cette situation comme un excès de proximité géographique. La probabilité d'infection et également la qualité des relations et du bien-être dépendent de la disponibilité de maisons individuelles ou de petits ou de grands appartements et de variables de densité comme nombre de mètres carrés, de pièces, la taille de la famille, la colocation, etc., un jardin, une terrasse, etc. On voit bien que on a ici des inégalités sociales et spatiales qui sont revisitées, qui sont passées ou qui sont éclairées par la proximité géographique, par le prisme de la proximité géographique. Également, pour des gens bien plus privilégiés, cet excès de proximité géographique, il s'est également manifesté. Il s'est également manifesté dans les bureaux, dans les open space. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a une disparition très rapide des open space. Et il y a une disparition très rapide aussi, ou une limitation des espaces de coworking, parce que finalement, durant la pandémie, il t'a paru difficile, dangereux de se rendre au bureau. C'est un endroit de diffusion du virus, et également dans plein d'endroits. Donc, même pour les personnes privilégiées qui ont des bons salaires, des bons revenus, il y a quand même un danger de se retrouver, y compris dans des tiers-lieux, à certains moments, parce que c'est des moyens de diffusion de la pandémie, et donc un vrai problème qui s'est posé également par rapport à ces caractéristiques, cet excès de proximité géographique qui fait que finalement, aujourd'hui, et je vais en parler dans un instant, eh bien on va tenter d'aller moins au bureau, quelque part. C'est quand même ça l'idée. Et petit à petit, s'est imposé ce développement des proximités à distance. Donc ça, c'est l'autre dimension. La dimension de proximité organisée, finalement, cette proximité organisée, elle existe de plus en plus, ou elle s'est mise à exister de plus en plus. On peut faire de plus en plus de choses à distance sans être à côté des autres. Là, je vous ai un peu montré les capitalisations de, par exemple, Amazon, Microsoft, Apple, aussi le fait que Netflix, à l'époque, a attiré plus de 10 millions de nouveaux abonnés. Maintenant, c'est un peu retombé,
voire même a fait des séries sur la pandémie pour alimenter cette dimension-là. Mais on voit bien apparaître ici du télétravail, du téléach, du e-commerce, et puis le développement de sociétés qui permettent, par leur essence même, comme des sociétés d'informatique ou de réseau, de mettre en connexion les personnes et de les mettre à distance, et de les mettre en relation avec la proximité organisée. Ça, c'est extrêmement important, c'est ce développement des proximités à distance. J'y arriverai pas. Et par exemple, voilà le développement du e-commerce. Si on regarde, pendant le confinement, les achats de produits alimentaires hein, et grande consommation sont passés à pratiquement 10% contre environ 6% en ligne. Et puis, en 2022, finalement, vous voyez qu'on a à peu près 11,5% des achats de produits de grande consommation qui passent par Internet aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Avant le Covid, cette part était à peine de 5 ou 6%. Et donc, vous voyez cette courbe du chiffre d'affaires mondial d'Amazon qui est particulièrement merveilleuse hein, ici, et également le développement par ailleurs des pop-up stores, c'est-à-dire de lieux plus ou moins éphémères hein, qui se manifestent par la possibilité d'avoir une proximité géographique temporaire, c'est-à-dire on va se rendre dans ce lieu éphémère. Souvent, ce n'est pas vraiment pour acheter, mais c'est plutôt pour s'informer sur un certain nombre de biens. Et ces biens, ils seront même pas disponibles dans le magasin la plupart du temps. Et on va les acheter par Internet. Hein. Donc, vous voyez des changements de problématiques, des changements de mode de travail, des changements de mode d'exister, des changements de mode de consommer qui se manifestent et finalement qui restent, qui perdurent après le développement du Covid. Donc, en fait, on peut aussi se demander si finalement, on n'était pas sur une pente qui était déjà très favorable à ça et que elle est devenue plus favorable. Alors, justement, prenons un peu de recul, hein, j'ai presque terminé maintenant. Hein, si on prend un petit peu de recul avec tout ça, ce qu'on peut se dire, c'est finalement, comment est-ce qu'on peut voir ces proximités et est-ce qu'on peut essayer d'être un peu moins naïf maintenant. Alors, ce n'est pas facile pour quelqu'un comme moi, mais quand même, le premier élément, c'est ce développement des proximités à distance. Est-ce qu'il n'a pas un certain nombre de limites hein? Alors, on a tous connu le boom de Zoom. Hein? On est sur Zoom aujourd'hui et des réunions à distance. On fait tous maintenant plein de réunions. Il paraît même qu'il y a des gens qui se branchent pour écouter des séminaires à partir d'un train. J'ai entendu dire ça. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments qui se manifestent. Et un des éléments qui est très fort, c'est la montée du télétravail. Hein. Montée du télétravail, c'est-à-dire ce télétravail dont, alors je parle en tant que Français, on nous avait toujours dit en France, c'est impossible, ça ne marche pas, ça ne décolle pas. Et bien maintenant, ça décolle très très fort. Et en même temps, il y a quand même une loi qui impose de faire pour toutes les personnes qui peuvent, qui sont en mesure de télétravailler, 2 jours par semaine de télétravail. Et donc, c'est un changement qui est extrêmement fort. Également, dans les proximités à distance, c'est toutes les apps, toutes les applications qu'on a maintenant sur nos téléphones pour l'information sur le Covid. Et maintenant, on produit même plus nos certificats sur du papier. On les produit, on n'a peut-être jamais produit d'ailleurs, mais on les produit sur notre téléphone. Également, un autre élément qui se manifeste, la chute des colloques et des foires. C'est-à-dire, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a eu beaucoup de faillites dans les colloques. Il y a beaucoup de diminution des colloques. Une très forte diminution des foires, une concentration autour de très gros événements, finalement. Un impact sur les relations sociales et familiales, je vais y revenir. Bon, est-ce que c'est possible pour tout le monde, ces proximités à distance? Ben, pas vraiment, hein. Pas vraiment. Puis, il y a un certain nombre de travaux, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'école bleue et l'école blanche, il y a un certain nombre de travaux qui ne peuvent pas se faire à distance. Et il y a un certain nombre d'impacts doivent se faire dans le face-à-face. Même chose pour les types de relations. Toutes les relations ne sont pas faisables à distance. Il n'est pas possible de faire l'amour à distance. C'est très, très compliqué. Il n'est pas possible de développer des liens de confiance extrêmement forts à distance. Il y a eu plein d'études qui sont de cette nature-là
et qui font qu'à certains moments, on a besoin de se rencontrer, on a besoin de se voir. Donc, il y a des limites à ces proximités à distance. Par exemple, voilà la chute de l'action Zoom le jour de l'annonce du vaccin Pfizer au Nasdaq. Vous voyez que on peut se demander s'il y a vraiment un remplacement irrésistible de la proximité géographique en proximité organisée à distance. Visiblement, ce jour-là, quand on a annoncé que Pfizer avait le vaccin, ben, ça a enthousiasmé beaucoup de gens qui se sont dit « Ah, peut-être que je vais pouvoir arrêter un petit peu les applications Zoom ». Donc, il y a quand même toute une série d'interrogations qui se posent par rapport à ça. Évidemment, il y a un certain nombre de paradoxes du travail à distance. En France, comme je l'ai dit, il y a une généralisation du travail de 2 à 3 jours par semaine. Mais il y a un certain nombre d'éléments qui sont très, très portés ou très, très connus. D'abord, c'est que il y a une souffrance d'un certain nombre de travailleurs isolés, c'est-à-dire de personnes qui se sont retrouvées chez elles et qui ont très mal vécu le fait de travailler à distance, qui le vivent toujours mal et qui demandent un retour au travail parce qu'elles se sentent isolées, n'ont pas de bonnes conditions de travail, ils sont dans un appartement où il y a beaucoup de monde, etc., n'arrivent pas finalement à faire une coupure entre leur vie privée, leur vie publique, etc. Et puis à côté de ça, et de manière complètement opposée, il y a la question du retour forcé au travail. C'est-à-dire qu'on s'est bien aperçu que dans certaines grandes entreprises en particulier, il y avait une volonté en particulier de la maîtrise de demander un retour au travail des employés parce que c'était l'idée de la… ça en est un peu dans le panopticon hein, de Foucault. On doit contrôler les employés au quotidien dans leur activité. Et sinon, quel est le rôle d'une activité de maîtrise si les personnes ne sont plus là? Et donc, il y a également eu toute cette problématique qui se marche aujourd'hui dans des grandes entreprises comme Total ou autres. Ben, il y a une tension entre le fait que une bonne partie des employés voudraient rester en télétravail et la maîtrise voudrait les voir revenir pour cette question de contrôle. Mais encore plus étonnant, vous voyez, j'ai mis cette information qui date de cette semaine, hein, c'est Elon Musk qui a demandé au staff exécutif de Tesla de revenir au travail en leur disant où vous revenez, où vous vous en allez. Donc, vous n'avez pas le choix, il faut être là toute la semaine parce que même dans une entreprise comme Tesla, avec toute la technologie, etc., on se rappelle qu'il vient de racheter Twitter quand même, hein, eh bien, même avec dans une entreprise comme Tesla, il faut que vous soyez là. Et il a argumenté, on a besoin d'être au même endroit pour discuter, pour voir. C'est pour ça que moi, je suis toujours sur le lieu de travail, voire même je dors sur mon lieu de travail, parce que le lieu de travail, c'est l'endroit où se passent les choses pour le travail. Donc, vous voyez qu'on est dans des paradoxes du travail à distance et des paradoxes de la proximité, là, qui ne sont pas faciles à résoudre ou qui ne sont pas faciles à comprendre et qui, justement, donnent toute la richesse de nos discussions, je dirais. Hein? Évidemment, c'est aussi une question de bien-être et de santé mentale. Hein, je l'ai dit, il y a beaucoup de personnes on a des problématiques de santé qui sont très, très importantes, avec des gens qui se sentent isolés à la maison, dans leur travail, d'autres qui se sont sentis très mal à cause de la distance sociale qui était imposée par le masque. Hein, le masque, c'est bien une distance sociale, vous ne pouvez plus reconnaître vraiment les autres personnes. Et puis, également la perte de contact avec la famille, avec les proches, qui se fait parce que on n'arrive plus à les voir aussi souvent, ou on a peur d'aller les voir ou de les infecter, etc. Donc toute cette souffrance, toutes ces problématiques de santé mentale et de bien-être. On a des éléments pour y réfléchir. Hein. Un des éléments, je pense que vous le connaissez, c'est la proxémique hein, qui a été définie en particulier par Hall dans les années 60, c'est l'idée de se dire que finalement, un individu est entouré d'une série de bulles. Hein. Donc, il y a une bulle qui est la distance intime, c'est l'amour, je dirais. L'autre, la distance personnelle, c'est la famille, les amis proches. La distance sociale, c'est les collègues. La distance publique, eh bien, c'est quelque chose qui passe au sein de groupes de personnes. Et que finalement, ces différentes distances, eh bien, nous aident à comprendre, ou elles doivent nous aider à comprendre les différents types de proximité et comment on peut jouer de l'alliance entre les proximités géographiques et les proximités organisées. Et puis, il ne faut pas oublier que l'homme est un animal, hein, vous le savez comme moi, hein,
et que c'est un animal qui est confronté aux proximités. Hein. C'est le cas de beaucoup d'animaux. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'ai juste pris un exemple ici. Hein. Par exemple, un article très intéressant qui était paru il y a 2 ans et qui montrait que les chauves-souris sauvages pratiquent la distanciation sociale, c'est-à-dire quand elles sont malades, elles réduisent leur contact sociaux, elles se mettent à part et elles sont mises à part aussi par la société. Ou un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle la timidité des cimes des grands arbres. Vous voyez cette photo, eh bien, les grands arbres ne se font jamais concurrence entre eux, ne s'entrebattent pas par rapport à leur domaine réservé et ils manifestent, ils maintiennent une distance, donc une proximité géographique à la fois, mais une certaine distance entre eux. Il y a une dimension sociale entre les arbres qui appartiennent à une même espèce ou même à des espèces différentes dans un écosystème pour faire en sorte de combiner différents types de proximité et de vivre en société, ensemble également. Alors voilà, j'ai presque terminé, hein. J'ai presque fini. Et donc, la conclusion, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Évidemment, ça ne peut être une conclusion provisoire et qui revient sur l'idée que durant la pandémie, pardon, la proximité géographique est devenue un grand danger, elle a été surtout subie, ça c'est clair, que la proximité géographique continue quand même à compter, puisqu'on a bien vu qu'on ne pouvait pas faire tout à distance et qu'il fallait bien, à un moment donné, se revoir pour faire toute une série de choses ensemble. Donc, en dépit de ce qu'on nous vend souvent, de la mort, des distances, et tout passer par les technologies d'information et de communication, on a besoin de se voir, d'interagir, de se toucher, de discuter, etc. Mais en même temps, la proximité organisée à distance, les échanges virtuels, le Zoom, le e-commerce, etc., ben tout ça, ça a de plus en plus tendance à se développer et à remplacer et à avoir, on a des échanges virtuels qui se développent, qui deviennent de plus en plus cruciaux. Et ceci va de pair avec une autre menace beaucoup plus importante peut-être dans nos sociétés, c'est celle du réchauffement climatique. Et ce réchauffement climatique, il impose de limiter les moments de déplacement et de limiter les transports, aussi bien les transports longue distance que les transports locaux. Et si vous regardez le Green Deal, par exemple, de l'Union européenne, il est dit dans le Green Deal qu'un des objectifs, qui est déjà affiché depuis 2 ans, hein, c'est d'arriver à 2 ou 3 jours de télétravail pour l'ensemble des travailleurs de l'Union européenne, quand c'est possible, à une optique très, très courte. Donc, on est en train de rentrer là-dedans. Le Covid nous a aidés en quelque sorte à y passer, mais évidemment, ça pose des questions de déconnexion des populations, des questions de ségrégation sociale, puisque vous voyez bien que de dire finalement aller travailler 3 jours par semaine en télétravail, c'est possible, oui, mais peut-être pas si vous construisez une maison, peut-être pas si vous construisez une route, peut-être pas si vous êtes un agent de surveillance ou autre. Donc voilà, ça pose des questions très importantes. Donc, la question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce que, à mon avis, hein, est-ce que nous pouvons faire société à distance? C'est une question qui s'était posée récemment. Non, bien sûr que non, puisque nous avons besoin de relations de face à face pour des questions de travail. Nous avons besoin d'éviter la séparation entre certains types de travailleurs et d'autres personnes dans nos sociétés. Nous avons besoin, pour des raisons familiales et d'amitié, de nous voir. Nous avons besoin également de cette proximité géographique pour préserver notre santé mentale, ça c'est clair, mais quand même, il n'en demeure pas moins qu'il y a une série d'évolutions inéluctables, je pense. On peut se demander si on n'est pas vers un point de non-retour, vers le virtuel, avec un développement de plus en plus important de ces dimensions virtuelles. Voilà, j'en ai quasiment terminé. Je voulais vous remercier juste de votre attention pendant cet exposé. Puis effectivement, comme l'avait dit Denis, j'ai produit quelques textes sur cette question, y compris un récent dans Marché et Organisation, qui sont des petits textes de réflexion sur cette question-là. Voilà, je voulais juste vous remercier. Et maintenant, je pense qu'on peut ouvrir la parole à la discussion.
Merci beaucoup, André, pour cette très belle présentation, très, très complète, stimulante, qui je trouve à la fois, enfin, moi, j'ai particulièrement apprécié à la fois le fait que tu reviennes et que tu présentes cette grammaire entre finalement comment on analyse les proximités, la diversité des proximités, et je vois que Luc aussi soulignait effectivement notamment l'aspect proximité temporaire qu'on a peut-être souvent laissé un peu sous le boisseau ou moins vu en tant que tel. Donc, ça, vraiment intéressant. Et puis, effectivement, aussi sur les différentes analyses du Covid. Et alors, peut-être pour commencer, du coup, c'est vrai que je trouve qu'il y a un aspect assez intéressant que tu nous as montré, c'est tout cet effet, finalement, entre guillemets, danger lié au Covid et le fait que la proximité pouvait être perçue de manière un peu dangereuse et donc il pourrait y avoir des effets de substitution. On pourrait finalement essayer de s'éloigner, limiter la proximité géographique. Et en même temps, je trouve qu'il y a un aspect assez intéressant, c'est que dans le même temps qu'on a pris conscience des risques, on a pris conscience de la nécessité et de l'importance d'avoir finalement beaucoup de choses à proximité. Puis je me dis, c'est assez intéressant de voir comment l'OCDE ou les Nations Unies, à ce moment même, se sont reposé la question de dire comment repenser le district, comment repenser. Alors, les 15 minutes, notre ami Carlos n'est pas là, mais il le dirait beaucoup mieux que moi, en disant finalement, l'intérêt, c'est aussi que finalement, on se redit comment retravailler sur la proximité, la conception des villes, pour repenser finalement un environnement proche qui soit finalement qui apporte une grande qualité de vie. Et donc là, je me disais, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte d'aspect un peu paradoxal. Et autre aspect aussi, tu as évoqué l'aspect des coworking, des interrogations, les open space, effectivement, qu'on remet en question, les coworking, etc. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a beaucoup d'effets de bord et beaucoup d'interactions entre différents éléments, dans la mesure où on a le sentiment que, par exemple, au niveau des coworking, qu'il y a en même temps une demande qui se développe assez fortement dans les zones périphériques. Alors, je ne sais pas si tu as des données du coup qui vont dans l'autre sens ou pas en tant que telles, mais j'ai le sentiment… Alors, pour le coup, ce n'est pas scientifique, mais on était, par exemple, à Biarritz, où on avait fait les entretiens d'innovation territoriale, et en gros, ils sont pleins. Le coworking est complètement plein, tout est, enfin voilà, ça a vraiment boosté leur activité de manière très forte. Et on se dit voilà, il y a des déplacements qui se font de manière assez intéressante quoi là-dessus. Et donc est-ce que finalement on va pas cet mouvement de recomposition, on le voit apparaître, évoquer aussi tous les effets. Les effets de recomposition, par exemple, on voit les interrogations sur la défense et les tendances fortes qui semblent se mettre en place, alors même si on est encore très, très tôt pour voir vraiment ce qui se passe, mais le développement du télétravail, le développement du distanciel et finalement toute l'interrogation sur le réaménagement des horaires et l'utilisation de certains districts d'affaires comme la défense, où on se posait la question, par exemple, et certains groupes se demandaient est-ce qu'ils ne doivent pas fermer leur tour une journée dans la semaine et avec du coup un questionnement en lien qui est que évidemment tous les commerçants autour s'interrogent sur l'impact que ça aurait pour eux. Voilà, tu as donc juste des remarques, mais vraiment un grand merci parce que tu nous fais penser et effectivement tu nous as fait une belle conf et tu pouvais pas tout dire, mais tu as aussi le joli texte dans Marché Organisation qui étaye et qui là aussi donne des éléments intéressants sur ce que tu nous as dit. Merci. Je sais pas s'il y a peut-être d'autres questions ou réactions. Est-ce que tu veux que je peux faire une réaction sur la question du coworking peut-être si tu veux. Alors, c'est une question très très importante. Évidemment, je prétends pas avoir les réponses. Hein. Vous avez bien vu que oui, c'est un c'est peu clair, comme vous. Hein. Moi, j'ai écouté vos conférences, des conférences avant, j'ai adoré. Et puis, je me suis dit, moi-même, je me pose des questions, hein, comme tout le monde. Et donc, je ne prétends pas répondre. Mais par contre, il y a des choses qu'on constate, oui. Il y a quand même une multiplication des initiatives qui, je les appellerais des initiatives qui viennent du local. Moi. Ouais. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est drôlement frappant. Depuis, ça a commencé déjà avant le Covid. Hein. Je dirais que ça se manifeste à partir des années 2010, depuis une dizaine d'années. Et on a une multiplication des initiatives locales.
Alors, ça va être du coworking, ça va être du crowdsourcing ou crowdfunding, ça va être des tiers-lieux, ça va être des circuits courts, beaucoup, des AMAP, ça va être toute une série d'initiatives comme ça qui se manifestent au niveau local et qui germinent. Alors, il y en a qui marchent plus ou moins bien, il y en a qui se cassent la figure, il y en a qui sont des illusions complètes, d'autres qui deviennent très entrepreneuriales. Enfin, il y a toute une diversité. Mais ce qui est frappant, c'est la multiplicité de ces initiatives. Et moi, je l'appelle le retour du développement territorial. C'est-à-dire, il se passe des choses sur les territoires, il y a une énergie. Alors, tu parlais des zones périphériques, mais pas seulement, hein. Elle existe en ville, elle existe le périurbain également. Et on voit apparaître toute une série de choses. Ça va être des crèches collectives, ça va être des initiatives de toute nature et qui se signent par beaucoup d'innovations sociales et institutionnelles, je dirais. Il y en a qui vont signer des chartes entre eux, il y en a d'autres qui vont signer des accords de réseau. Toute cette multiplicité, aujourd'hui, finalement, on est un peu désorienté, déboussolé, nous, des chercheurs, par ça. Donc, on peut observer cet inventaire à la Prévert que je viens de faire là, mais en même temps, on ne sait pas trop comment s'en saisir. Moi, je considère qu'il y a une émergence, une multiplication des volontés locales et quasiment également des démocraties. Et elle va de pair avec la volonté, la demande de démocratie locale, cette énergie, et elle n'est pas, pour être honnête, elle n'est pas totalement étrangère à l'abstention massive aux problèmes qu'on rencontre dans les problématiques du vote également, hein. C'est-à-dire des gens, beaucoup de gens préfèrent ou trouvent finalement une manière de s'investir au niveau local dans ce type de problématique en mettant en scène, en mettant en relation leur existence quotidienne. Et à ce moment-là, les problématiques de proximité, pour en revenir quand même à ce qu'on chérit, hein, problématiques de proximité, ben, sont très fortes, hein, parce que on va avoir, par exemple, prenons un cas vraiment emblématique, hein, celui des circuits courts. Circuits courts, c'est quoi? C'est deux choses. C'est d'un côté, on réduit le nombre d'intermédiaires. Donc finalement, vous allez avoir une chance de connaître plus ou moins le producteur ou quelqu'un qui connaît le producteur, hein. Et donc, vous allez aller dans un magasin. Et puis, donc proximité organisée, vous discutez avec lui, etc. Et puis, deuxièmement, c'est une proximité géographique, parce que c'est un produit qui vient de pas loin. Il vient d'à côté de chez vous, c'est le cidre qui a été produit dans la ville d'à côté, c'est les poireaux qui viennent d'à côté, c'est une AMAP. Donc, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, et je le prends parce que je suis un agro, hein, mais cet exemple, il est particulièrement frappant du fait d'avoir ces deux dimensions de proximité géographique et de proximité organisée. Elles se mettent en même temps. Alors après, bon, ben, comment on analyse toutes ces choses-là? Je pense qu'il faut informer, il faut renseigner ces différentes formes de développement territorial et regarder celles qui sont intéressantes et aussi celles qui peuvent, je vais dire en tant qu'économie, qui peuvent produire de la valeur. Et puis également, en tant que quelqu'un qui est sensible aux dimensions écologiques, environnementales, celles qui sont porteuses d'amélioration au niveau environnemental et au niveau écologique. Et ça, c'est particulièrement important. Par exemple, tout ce qui relève de l'économie circulaire, on pourra en reparler, eh bien, a quand même souvent des vertus très positives parce qu'il y a une dimension vertueuse par rapport aux questions environnementales et écologiques. Mais je peux peut-être enchaîner avec quelques questions. Merci beaucoup, hein, pour cette présentation que moi, j'ai trouvée extrêmement stimulante, et notamment tout ce qui concerne les deux proximités, la proximité organisée, économique et sociale, et la proximité géographique. Et puis, voilà, l'intérêt de la proximité qui réside finalement sur la tension entre les deux, ou la manière dont ces deux formes de proximité jouent ensemble ou pas, se combinent, se confrontent. Alors, voilà, j'ai trouvé que c'était extrêmement clair et très stimulant.
Du coup, moi, évidemment, ça m'a amené plein de petites questions. On a aussi pas mal travaillé à l'EPFL sur les questions de Covid, sur la recomposition de la proximité que ça induit, sur le logement aussi, notamment avec des collègues architectes. C'est vrai que, voilà, tout d'un coup, alors là, c'est sans doute de la proximité organisée, plutôt subie, mais quand tout le monde est dans l'immeuble, parce qu'en fait, on est confiné. Ça crée des conflits de voisinage, parce que le rythme de vie n'est pas le même, parce qu'il y a du bruit, parce que les immeubles construits en 1910 ne sont pas forcément bien insonorisés, enfin, etc., etc. Et bon, c'est des constats. Ça, on le savait déjà avant, mais ça n'arrive jamais que tout le monde soit à domicile en même temps, toute la journée, pendant une période longue. Donc, effectivement, c'est assez inédit. Mais du coup, moi, peut-être plusieurs petits points. Peut-être que tous n'ont pas de réponse, mais c'est aussi pour moi des sujets de réflexion. Peut-être une première thématique sur le renversement de la proximité qu'on a vécu. C'est le lien qu'on pourrait faire entre la proximité, le rapport à l'altérité, y compris spatial, et la familiarité des lieux. Dans quelle mesure est-ce que finalement ce renversement de la proximité que l'on a vécu n'est pas aussi associé à cet aspect-là? Je m'explique. Il y a une chose qui m'avait frappé, c'est que dans les enquêtes qu'on a menées, on a constaté que pendant la période du Covid, finalement, le domicile n'était plus nécessairement un refuge. Alors oui, c'est un refuge évidemment au sens où c'est le lieu où on se sent peut-être plus protégé, mais plus exactement du fait qu'il y a le conjoint, la conjointe, les enfants qui suivent l'école, etc. Donc ça devient un espace qui n'est plus un espace forcément où l'on peut se replier sur une intimité un petit peu calme, et que pour finalement avoir d'une certaine manière cette intimité calme, eh ben on sort dans son quartier, faire le tour du pâté de maison, voir un peu plus loin, et puis finalement on rencontre personne. On rencontre personne parce qu'on s'approche pas des gens, parce qu'on a un petit peu peur, et puis que voilà, de toute façon tout est un petit peu fermé. Donc ce renversement, c'est aussi un renversement quelque part du rapport à l'altérité, du rapport à l'espace public et privé. Voilà, donc, je ne sais pas, moi, c'est des réflexions que je me suis fait qui ne sont pas complètement abouties, mais je trouve que la présentation que tu viens de nous faire font un petit peu écho à ça, et ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus. Sinon, il y a une chose sur laquelle moi j'ai beaucoup buté dans les travaux qu'on a menés sur la proximité, puis comme tu utilises aussi la notion, je voulais savoir ce que tu en penses. Moi, je trouve difficile de travailler avec la notion de proximité subie et de proximité choisie. C'est une espèce d'opposition, parce qu'en fait, quand on essaye d'y mettre des indicateurs pour le mesurer, ce n'est pas du tout évident de mesurer le caractère subi. Comment on le dimensionne, comment on fait pour le... Et c'est souvent plus ambivalent que ça. En même temps, moi, je l'utilise aussi, hein, donc c'est pas une critique sur l'usage du mot, mais voilà, ça m'intéresserait de t'entendre aussi. On voit bien de quoi on parle, mais voilà, c'est ce caractère choisi et subi, il est souvent localisé dans des... Il est aussi lié à des choix qu'on a faits, finalement, de la localisation du subi et du choisi dans sa vie quotidienne, y compris par temps de Covid, d'ailleurs. Et donc, voilà, comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin avec ces notions pour essayer aussi peut-être d'éviter une vision un peu trop dichotomique. Et puis, peut-être une dernière question, sinon je vais monopoliser la parole, sur les villes moyennes. Donc, bon, on a aussi fait ce constat sur des terrains suisses, luxembourgeois, allemands. Enfin, on avait mené une enquête internationale sur les questions de localisation résidentielle, de bien-être au quotidien par temps de Covid. On a aussi pu constater que les petites villes étaient très sollicitées. Donc, pas seulement
pas seulement des villes moyennes. Et la question qu'on se pose, bon, c'est des questions qui sont finalement en débat. Notre collègue Faburel en a même fait un livre. Finalement, qu'est-ce que ça signifie par rapport à la métropolisation? Est-ce que ça signifie qu'au niveau de la distribution des aménités en fonction de différents niveaux hiérarchiques de ville, c'est des choses à repenser dans une politique d'aménagement du territoire qui serait plus soucieuse de la vie en proximité? Je pense que dans le cadre de ce séminaire, on y est évidemment assez sensible. Voilà, qu'est-ce que ça signifie? C'est vrai qu'une ville même de 10 000 habitants ou de 15 000 habitants, une petite ville, elle offre un réservoir de population suffisant pour rentabiliser toute une série de services, de commerces et autres. C'est des choses qu'on peut favoriser. Donc voilà, ça m'intéresserait de t'entendre là-dessus. Voilà, je m'arrête là. Merci. Et merci beaucoup. Oui, moi, c'est des questions que je me pose aussi. Alors, je ne suis pas sûr que je donne des réponses absolues, mais je peux déjà, comme toujours, hein, on est des chercheurs, mais je peux déjà te donner un petit peu mon avis. Alors, je vais commencer par subi et choisi. En fait, moi, c'est surtout choisi qui me pose un problème. Parce que subi, je dirais que on a une manière. Alors, je raisonne en termes en économiste. J'ai souvent fait des études, j'ai fait beaucoup de travaux sur les conflits, hein, les conflits de voisinage, beaucoup, beaucoup. Et il y a un élément de voir si c'était, si c'est subi, pour un économiste, je dirais, c'est de regarder le prix, en particulier le prix du foncier, le prix de l'immobilier. C'est-à-dire quand tu te trouves confronté finalement à une baisse de prix très, très important, à ce moment-là, tu vois que c'est subi. J'ai fait des travaux, par exemple, avec un de mes doctorants sur les infrastructures, comme on dit, semi-désiré en Île-de-France, l'arrivée de, par exemple, d'éléments comme des prisons ou des steppes pour le traitement des boues. Et ce qu'on voyait, c'est que c'est pas à l'installation que se pose le problème. C'est dès qu'il y avait une annonce de l'arrivée de ces choses-là, il y avait une mobilisation qui se faisait dans l'opinion publique. Immédiatement, le prix de l'immobilier ou du foncier commençait à diminuer. Il diminuait jusqu'au moment de la décision qui est prise par le tribunal, puisque du coup, ça passe au tribunal. Il y a tout. Et tant que la décision n'est pas prise, il y a une baisse. Si le tribunal dit que finalement, cette step ne se fera pas, par exemple, à ce moment-là, on va remonter les prix. Par contre, si le tribunal dit que ça va se faire, alors là, c'est foutu. Les gens sont complètement coincés. Et ils ne peuvent plus partir. Donc, ils ne peuvent plus agir. De leur volonté, je dirais, l'excite, le vote avec les pieds, comme on dit, ne se fait plus parce que on a beau dire, par exemple, dans une théorie très, très standard, mais il n'y a pas de problème, votez avec vos pieds, vous allez vous localiser là où vous voulez. Mais finalement, si tu as acheté un appartement dans une zone où, à l'époque, il y avait l'air, il ne posait pas de problème, et d'un seul coup, il y a une installation qui se fait à côté, eh bien, on va se retrouver avec une maison, une installation qui aura perdu la moitié de sa valeur. Les gens vont être bloqués dans ce lieu et c'est la double peine puisque non seulement ils ne pourront pas partir, mais en plus ils vont subir au quotidien les effets néfastes de l'infrastructure contre laquelle ils se sont battus. Donc ça, c'est une vraie problématique. À côté de ça, toujours dans le subi, on s'aperçoit, il y a des psychosociologues qui ont fait des études très intéressantes, qu'on s'habitue à vivre à côté des infrastructures polluantes. Par exemple, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur les gens qui vivent à proximité des centrales nucléaires et les premières années, bon, c'est une espèce d'émotion et de peur. Et puis, au bout de 15-20 ans, comme il ne s'est rien passé, entre guillemets, ben, ils se sont complètement habitués à vivre là. Le prix du foncier ou de l'immobilier a commencé à remonter de manière raisonnable, d'autant plus que souvent les promoteurs, les entreprises payent toute une série d'infrastructures au niveau local. Donc, il y a des écoles, il y a des piscines, il y a des églises, il y a plein de choses qui se font dans l'environnement. Et donc, on finit par s'habituer. Est-ce que c'est si subi que ça? La question se pose. Je suis d'accord à ce moment-là. Il y a une espèce d'autres éléments qui se passent. Moi, j'ai plus de difficultés avec choisi, en réalité, parce que je comprends bien ce que ça veut dire une proximité géographique temporaire choisie. C'est-à-dire, je vais en vacances à tel endroit, donc je vais partir à tel endroit et là, je choisis d'aller à cet endroit-là. Je vais voir ma grand-mère dans telle zone et je passe 3 jours, une semaine avec elle.
Là, j'ai bien choisi ça. Après, c'est des choix qui sont très éclairés et qui n'ont pas un grand impact, puisqu'après, je reviens à mon lieu de localisation. En revanche, qui est plus difficile à définir, je dirais, c'est le choix de localisation permanente. Et là, souvent, on a l'impression qu'il se fait avec une grande ignorance, une grande incertitude sur le futur. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. J'ai essayé d'aller plus vite sur mes réponses sur les autres, hein. Sur les villes moyennes et la métropolisation, est-ce qu'il faut repenser cette problématique? Oui. Alors, vous, je dirais en Suisse, vous avez la chance de savoir faire, hein, enfin, par rapport à nous, Français, hein, avec les villes moyennes. Nous, on ne sait pas faire du tout, hein. Je veux dire, c'est une catastrophe absolue. Et donc, on découvre maintenant un peu les villes moyennes. Et la plupart de nos villes moyennes, nos petites villes, elles ont été carrément même. D'abord, on a désertifié le rural, puis après, on a désertifié les petites villes du rural pour mettre des gens dans les villes moyennes. Et on était à deux doigts de désertifier les villes moyennes au profit des grandes villes. Mais avec le Covid, là, il y a une espèce de, ou peut-être un peu avant, on vit un moment un peu brownien là. Donc, où finalement, c'est plus si évident que ça. Et on voit un appétit renouvelé pour les gens, pour un certain nombre de villes moyennes. Et comme tu dis, elles ont des infrastructures, elles ont des services, etc., à condition de ne pas continuer à les enlever. Parce que si on continue la politique des pouvoirs publics français et continue à tout enlever des zones périphériques, on va aussi enlever des villes moyennes. Mais à partir du moment où ces villes moyennes gardent un certain nombre d'aménités, elles redeviennent intéressantes, parce qu'évidemment, elles ont un accès à un environnement, souvent à de la nature, à une qualité de vie au quotidien, et souvent, il faut bien le dire, à des gares qui permettent d'avoir un accès à des TGV ou à des trains qui permettent de commuter également avec des villes plus grandes. Et donc le télétravail devient intéressant et également le développement des techniques d'information et de communication qui fait qu'on peut avoir de la 4G, du Zoom chez soi, etc. Et donc on voit apparaître cette dimension-là, quoi. Après, donc ça c'est extrêmement important et donc nous en France on a une vraie problématique, pas le cas de tous les pays, hein. Après, sur le renversement des proximités dans les maisons, oui, moi, je l'ai constaté, par exemple, chez moi, hein. J'habite dans un quartier dans le 9-3, très, très populaire. Alors, moi, j'ai un appartement assez grand, il n'y a pas de souci. Et je voyais bien que même pendant le confinement, quand j'allais me faire un tour, juste parce que j'avais peur, mais je sortais quand même, je voyais bien qu'il y avait plein de gens dehors, parce qu'il y avait plein de gens qui sortaient de leur maison. Pas qu'ils n'aient pas le choix, mais ils n'en pouvaient plus, quoi. Ils allaient dehors, ils fumaient, ils discutaient, tout ça. Et finalement, ce que je me suis aussi aperçu, c'est qu'il y avait socialement, c'était admis en termes de distance sociale, c'est-à-dire que la police n'est jamais venue les embêter. La police, bon, qui pourtant a des interventions des fois très brutales, n'est jamais venue les embêter. Ils savaient enfin, il y avait une espèce de tolérance, une compréhension que ces gens devaient sortir de chez eux, c'était des familles pauvres, des familles où il y avait beaucoup de monde, et qu'il fallait qu'ils soient un peu dehors, même quand c'était interdit, et donc il n'y avait jamais de problème, quoi. Donc, je pense que cette dimension-là, elle est très très forte, et elle marque bien, quelque part, le fait qu'on est bien dans des distances sociales, et que ce n'est pas que de la distance physique qui se joue là. Parce que dans certains endroits, on sait que par exemple, les forces de l'ordre étaient beaucoup, beaucoup plus insistantes dans certains lieux où elles considéraient quelque part que les gens pouvaient rester chez eux parce qu'ils abusaient d'aller dehors alors qu'ils avaient de la place chez eux pour se promener dans leur couloir, quoi. Merci, merci beaucoup. On a quelques questions qui nous ont été adressées par la retransmission. Vous les voyez comme moi, André. Donc, Oui. Le lien entre les questions de proximité pendant le Covid et à l'avenir et les tendances à la désynchronisation urbaine, nationale et internationale. Par exemple, avec le Covid, on parle d'immobilité urbaine. Vous en avez parlé. Cela a-t-il favorisé une nouvelle synchronisation compte tenu du fait au niveau individuel, que de nombreuses personnes travaillent à domicile ne peuvent sortir que pour de courtes durées. Ah, C'est certain qu'il y a des nouveaux. je n'ai pas vu quelle question c'était. Il faut juste me laisser un instant pour la lire. C'est une question sur les rythmes. Les Oui, rythmes, du ça coup. m'a fait penser à Luc aussi qui pouvait. Alors, je ne sais pas s'il peut parler. Oui, la désynchro. Ouais, OK. Entre les lieux urbains. D'accord. Ben, en fait, le sentiment que j'ai, c'est que le Covid et l'après-Covid, hein, qu'on vit,
ont amené quand même un enfermement qui est beaucoup plus important. Alors, je ne sais pas si ça sera durable, ça reste vraiment à voir, mais quand même une vraie difficulté pour beaucoup de gens de retourner sur les lieux de travail, voire sur les lieux sociaux. Et ça, cette caractéristique, elle est particulièrement importante. Et ça, je la ressens très, très fort. Il y a une espèce d'immobilité. Est-ce que c'est seulement une immobilité urbaine, comme vous le précisez là? Je pense que ça va plus loin. Je pense que ça va plus loin que ça. Également, une autre dimension qui apparaît aujourd'hui et qui, à mon avis, sera durable pour des questions environnementales ou d'impact du changement climatique, c'est le fait de finalement, je pense qu'on aura beaucoup de difficultés à revenir aux grandes migrations touristiques qu'on a connues pendant très longtemps. C'est-à-dire le fait de dire, ah ben moi, je m'en vais la semaine prochaine, je vais en Thaïlande, je vais à Pattaya, je vais passer une semaine, après je reviens, je vais me péter la gueule, et puis après je reviens et ça va être chouette, quoi. Ça va devenir beaucoup plus compliqué parce qu'il y a une stigmatisation sociale du déplacement, clairement, mais surtout, c'est que les prix ont tendance à énormément augmenter, et donc finalement, ces lieux qui étaient devenus proches, qui étaient en grande proximité géographique de nous, eh bien, ont tendance à se rééloigner maintenant. Et ça, c'est un vrai changement. Après, il y a une autre dimension aussi, qui est une dimension géographique. Donc, on y accède de moins en moins. On vous a perdu là pendant quelques secondes. La deuxième dimension, c'est quoi? Vous êtes revenu, oui. On n'a pas entendu la fin de la. Oui, oui. Ah, d'accord. Je me suis aperçu que c'est que c'était bloqué parce que je voyais tout le monde immobile sauf moi. Donc, oui, ce que je disais, là, je ne sais plus trop où ça s'est arrêté. Mais ce que je disais, c'est qu'il y a un certain nombre de lieux qui étaient en grande proximité géographique de nous. En réalité, par exemple, la Thaïlande, j'avais pris cet exemple, parce que beaucoup de gens ont pris l'habitude d'aller passer leurs vacances à Bali ou en Thaïlande. Et ces lieux se sont rééloignés aujourd'hui. Et ils se sont rééloignés, en particulier pour des raisons de coût. Et j'ai peine à croire qu'ils puissent se rapprocher rapidement de nous, à moins qu'on trouve des solutions environnementales très, très efficaces, mais on les voit pas apparaître. Et ce que je disais aussi pour terminer, c'est que pour des raisons complètement différentes, pour des raisons géopolitiques, il y a un certain nombre de lieux qui, pour nous occidentaux, tentent à devenir dangereux, je dirais, et où il nous est difficile d'aller parce qu'on a peur d'aller dans ces lieux et qu'on les trouve dangereux pour notre sécurité physique en particulier. D'accord, d'accord. Merci. Il y a Luc qui a posté des questions parce que je crois qu'il a des difficultés à se connecter. Donc, il avait déjà évoqué plus haut la notion de proximité élastique, les ajustements à différentes échelles spatiales et temporelles qui créent un rythme, une forme, un agencement, un rythme fluent. Ça, c'est, il a posé la question en haut ou en bas, juste pour. Non, 13h34 en bas là. Ah, d'accord. Et sinon, plus simple, il a dit deux fois les festivals se cassent la gueule. Oui. D'accord. Oui, j'ai vu ça. C'est moins différent ça. Moi, je crois que les proximités ont toujours été élastiques en un sens. Hein. Il y a toujours eu ce problème dont je crois qu'il parlait également d'élasticité aussi entre les proximités. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut remplacer une proximité par une autre? C'est une question que les économistes en particulier sont beaucoup posées. Est-ce que je peux enlever un peu de géographie et remplacer par du distanciel ou l'inverse? Alors, je dirais que pour commencer de manière très simple, oui, quelque part. Parce que petit à petit, on s'aperçoit bien que la proximité à distance est de plus en plus faisable. Pourquoi? Parce qu'on a une amélioration des techniques d'information et de la communication
qui nous permet d'arriver à avoir un certain nombre de contacts qui avant étaient impossibles à distance. Prenez le cas extrême, je parlais tout à l'heure des lettres versus alors le téléphone, qui déjà nous a permis d'entendre la voix, mais c'est un peu compliqué. Puis après, aujourd'hui, des zooms, des visios qui nous permettent de voir le visage de la personne et donc d'inférer une partie de ses expressions, de la manière dont elle perçoit les choses, etc. Donc, il y a toute une série d'éléments qui sont du non-verbal en particulier, qui ont fini par pouvoir transiter par l'intermédiaire des techniques d'information et de la communication. Donc oui, il y a une partie des éléments qui nécessitaient obligatoirement des relations de face à face et donc de proximité géographique qui ont disparu. Et donc, la nécessité de proximité géographique, elle est plus restreinte. Donc clairement, il y a eu un changement par rapport à ça. Pour autant, la proximité géographique, la nécessité de proximité géographique n'a pas disparu. Et cette proximité géographique n'a pas disparu parce que à ce moment-là, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Par exemple, l'échange dans une relation, quand on fait connaissance, l'échange de phéromones. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas faire aujourd'hui à distance. On est un peu comme les fourmis. Vous savez, les fourmis, quand elles passent elles ont toujours ce besoin de proximité géographique. Elles se baladent, puis elles viennent pic, elles communiquent comme ça. Ben, nous, on est un peu comme ça. Hein. On a besoin, à un certain moment, de faire des choses ensemble. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui montrent que, par exemple, quand vous voulez faire un programme, eh bien, il faut que vous mettiez les personnes au même endroit pendant un moment. C'est pour ça, quand en tant que chercheur, on fait des programmes, on fait ce qu'on appelle les kick-off meetings. Vous allez passer 2 jours avec différentes personnes, et puis vous allez boire un verre, vous allez discuter, vous allez rigoler, vous allez peut-être vous engueuler, tout ça. Mais il va se passer un truc et vous allez connaître l'autre. Après, grâce à ça, vous pourrez travailler à distance. Il pourra se passer plein de choses en proximité organisée. Et même, ce qui a été montré, c'est que quand il y a un petit conflit entre des personnes, par exemple, dans le milieu entrepreneurial, ce petit conflit peut se résoudre par une relation Zoom. Mais si ce conflit devient trop important, c'est plus possible. Un conflit très important nécessite de se retrouver. Ça, je pense que des gens comme des gestionnaires, vous savez mieux que moi. Il faut se retrouver à un moment, quoi. Il faut être dans la même pièce, dans le même lieu. C'est là que ça se passe et que la proximité géographique devient essentielle. Donc voilà, cette plasticité, elle existe et elle est impactée très, très fortement par le développement des technologies d'information et de la communication, qui nous permet, par exemple, on est chez nous, on fait 10 réunions Zoom dans la journée. Avant, il fallait courir d'un endroit à l'autre, et c'était épuisant, mais on est tout aussi épuisé le soir, on a travaillé 3 fois plus qu'avant. Donc, l'augmentation de productivité, elle est sans doute importante pour des gens à distance. Et donc, voilà, on a cette dimension-là. Alors après, pour faire écho à une autre question ou à une question liée de Luc, est-ce que proximité recherchée ou subie, c'est pas les individus qui le choisissent? Dans une certaine mesure seulement, parce que si moi on m'installe à côté de moi une usine de traitement de déchets et que je déteste ça, mais que je voudrais partir, mais que ma maison n'a plus aucun prix, ben ouais, malheureusement, je subis. J'aimerais bien être ailleurs, mais je peux pas y être parce que mes revenus sont pas suffisants, etc. Donc il y a quand même la dimension individuelle, elle est là, mais on est quand même dans une société capitaliste. Et donc, toute dimension individuelle, elle est impactée par des problématiques économiques qui font que souvent, elles nous contraignent et elles nous réduisent. Eh bien, c'est le cas pour beaucoup. C'est le cas pour l'envie d'acheter. J'aimerais bien m'acheter, peut-être, je ne sais pas, une Ferrari, mais j'ai pas les moyens. Et là, c'est pareil, j'aimerais bien partir de ce lieu, mais je peux pas. Je suis obligé de rester ici et contraint d'habiter dans ce lieu qui ne me convient pas. Alors, pourquoi les festivals se cassent la figure? Ça, c'est une bonne question. Je sais pas. Parce que d'abord, je savais pas que les festivals se cassaient la figure. Donc, j'ai pas vraiment de réponse à ça. Mais peut-être que c'est dû au fait que pour l'instant, il y a encore une peur de l'autre et d'avoir un endroit de surinfection qui fait qu'on pourrait être en danger à cet endroit-là. Mais bon, je peux pas le dire. J'avoue, moi-même, je me suis aperçu que, comme sans doute beaucoup d'autres, que j'avais plus de difficultés des fois à sortir de chez moi et que même j'avais des fois moins d'appétit pour aller à un grand colloque parce que sans doute il y a une habituation de vie pour en revenir à ce que disait Vincent, hein,
l'habituation de vivre dans un lieu clos, de faire ses petites affaires au quotidien et d'avoir une espèce de routine du quotidien, et puis sans doute une peur de se retrouver avec beaucoup de gens, comment ça va se passer, quoi. Finalement, est-ce que je ne vais pas tomber malade? Oui, on l'a entendu des salles de cinéma. Hein. À l'issue là, du Festival de Cannes, on a beaucoup entendu retourner au cinéma et pas que pour voir Top Gun 2. En Donc, tout cas, il y a une diminution, ça c'est sûr, ça j'ai vu les statistiques, hein. Il y a une ouais. diminution très importante de la fréquentation des salles de cinéma, ça c'est net, oui. Y compris dans des salles de cinéma où il y avait quasiment personne avant. Donc ça interroge quand même. Bon, ben en tout cas, vous nous avez gâtés, André, parce que c'est un petit peu comme si finalement on avait réussi à regarder un petit peu avec de la hauteur beaucoup de choses sur lesquelles on a zoomé finalement sur toute cette année. Donc, bon choix et merci beaucoup. C'était effectivement très structuré, très organisé. Je pense que ce soit au niveau de nos étudiants ou de nous et de nos partenaires qui regardent, on aura beaucoup appris, on aura bien fait à tous ces liens. Et c'est un sujet qui va continuer à nous interroger parce que on comprend pas encore tout ce qui se passe. Autant on a été dans l'inconnu et au début de la pandémie et du confinement, on savait pas combien de temps ça allait durer, donc on ne savait pas dire réellement ce qui allait se passer. Autant on voit bien maintenant qu'il y a des choses qu'on peut regarder sur lesquelles on a un peu de retour. On a plusieurs questions sur le fait de mesurer les choses, mais on pourra en reparler. Je pense qu'il y a des thèmes sur lesquels d'ailleurs on pourrait contribuer, puisque nous, on n'est pas limité non plus à la proximité géographique. On s'intéresse quand même vraiment, Bien. Oui. notamment à la proximité, de la Sinon, gestion. je ne serais pas venu, hein. Moi Tout à fait. Ben, Luc met dans le chat, on serait heureux non de plus, en pouvoir. fait. On serait heureux de pouvoir vous associer à la deuxième année. On Ah, le ben, j'en disait en serais heureux, moi introduction. aussi, et flatté, ça me plairait, ouais. Eh ben, super. Je pense qu'on va pouvoir terminer pour terminer à l'heure. Partenaire officiel. Ah ben il est insistant. Il va falloir que vous signiez. Il n'y a pas de souci, je suis prêt à signer. Avec des gens Bon. comme vous, je suis prêt à signer, il n'y a pas de problème. Quand c'est des gens amicaux et avec qui on a une discussion intéressante, pourquoi hésiter, hein? Bon, ben, merci Merci beaucoup, beaucoup et c'était on en associe. direct. Ouais, on Bravo, merci, associe évidemment André. les absents, Matteo Colleoni et aussi Carlos. Florent Pralon et Carlos. Et Didier, ben, je ne sais pas si tu veux dire Bon, ton mot de mais la je fin. pense que tout est dit. C'est une des beaux mots de la fin que tu as dit. Écoute, on était vraiment très heureux. Tu nous as stimulés, tu nous as amenés sur plein de questions. On voit bien que les choses bougent, qu'on ne sait pas vers où on va aller. Il y a des signaux faibles qui apparaissent, il y a des tendances qui apparaissent. On voit des choses qui ne se sont pas concrétisées avec des tendances qu'on imaginait et qui finalement n'ont pas été prouvées, style l'exode urbain, enfin voilà. Donc les choses changent et pour nous, ben, c'est super parce que cette idée de nouvelle proximité, de ce séminaire des nouvelles proximités, c'était vraiment prendre le temps d'échanger, de discuter, puis d'essayer de voir justement où on va et puis comment ça nous interpelle en tant que chercheurs, mais aussi pour participer au débat public et à tout ce qu'il y a à faire là-dessus. Donc un grand merci, tu finis en beauté l'année universitaire. Et C'est donc gentil. on a hâte du coup de se retrouver tous ensemble. Et puis du coup, on reviendra vers toi parce que on a commencé déjà à préparer les séminaires de l'année prochaine. Et du coup, on lancera en septembre un nouveau cycle, une saison 2. Alors c'est pas la web série Netflix, mais on fera la saison 2. Et on a hâte de vous retrouver, puis avec des idées, des réflexions sur le programme. Merci beaucoup à toutes et tous. Vincent, si tu veux rajouter. Oh non, rien à ajouter à ça. J'ai trouvé cette séance extrêmement stimulante. Donc, merci André. Ben, moi, je veux bien dire un mot aussi pour vous dire que c'était très intéressant. Ça m'a donné l'occasion de synthétiser mes idées aussi, hein. Donc, j'ai pas mal travaillé cette semaine pour faire tout ça. Et puis, chercher des jolies images aussi pour que ce soit moins rébarbatif. Mais voilà, j'ai été très, très heureux. La discussion est très intéressante et je pense que c'est un sujet, enfin, vous savez que c'est un sujet qui me passionne, donc ça, c'est pas besoin de le dire. Mais c'est un sujet qui est très ouvert et qui est très mouvant. Donc, c'est aussi ça qui est très intéressant, quoi. Quelque part, il n'est pas figé et on voit bien qu'il y a plein de choses qui bougent. Donc, j'étais ravi et puis je serais ravi de continuer avec vous.
Merci beaucoup. Ben, comme on se l'est dit, c'est enregistré. Donc, il y aura une rediffusion pour tous ceux qui n'ont pas pu et celles qui n'ont pas pu, suivre. Et donc, on va traduire en fait le fichier texte de ce qui a été évoqué dans un document. Et ensuite, ça servira de sous-titre sur les versions anglaises et espagnoles. C'est comme ça qu'on fonctionne maintenant. Voilà. Ben, merci à tous. Bonne fin de journée. Merci. Et bon appétit si vous n'avez pas mangé. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Luc. À bientôt.